Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre, enfin, dire votre prénom, votre âge, votre classe, où vous vivez? Moi, bonjour. Je m'appelle Sajima Ibrahim, j'ai 13 ans, je vis à la Courneuve. Je suis dans le collège Jean Villard. Moi, c'est Engie Lamy, j'ai aussi 13 ans, je suis à la Courneuve, je suis aussi au collège Jean Villard et on est en 4e, classe de 4e. C'est quoi vos sports préférés? Alors, moi, c'est le basket. Moi, je dirais le foot. Et vous jouez, vous, au basket et au foot? Moi, pas en club, mais genre des fois, ouais. Où ça? Dans des stades. Ok. Toi? Et vous considérez faire du sport en équipe ou seul? En équipe. Et vous avez besoin de quoi quand vous faites du sport? Comme équipement, comme matériel? En fait, ça dépend, parce qu'il y a des sports, c'est très facile, genre juste un ballon, ça peut servir, enfin ça peut aller, mais il y a d'autres sports où il faut beaucoup d'équipement. Et tu quoi par exemple? Des protections, des cages. Et au niveau des... Est-ce qu'il y a besoin de fauteuils pour s'asseoir, d'endroits pour poser ses affaires, des choses comme ça? En coupe, tu le verras en vue. Du coup, il y a la même chose ici. Oui, ça dépend en fait. Plutôt sur les ateliers qu'on a fait, qu'est-ce que vous avez bien aimé dans le travail en groupe? Dans le travail en groupe, on s'entraide tous, on est tous ensemble, on s'entraide. Du coup, ça met une ambiance bien, du coup, c'est drôle, quoi. Et qu'est-ce que vous retenez de ces ateliers qu'on a fait ensemble et que vous avez fait en groupe? Quels ateliers vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'un atelier qui vous a marqué, que vous avez bien aimé et que vous y avez fait? Aujourd'hui, c'était bien. On a beaucoup travaillé en fait. On a utilisé beaucoup de machines, des nouvelles machines qu'on n'avait jamais utilisées. Ça nous a fait apprendre. Et c'était quoi l'objectif aujourd'hui? De construire une maquette? Oui, c'est ça. Pour le kit. Ok, super. Pourquoi J'allais passer à autre chose. Pourquoi c'est important selon vous qu'on prenne l'avis des jeunes et des habitants quand on fait un projet d'équipement comme on est en train de le faire? Parce que si on ne prend pas l'avis des gens, pour mieux vivre. Pour avoir plus d'activités où on sait que tout le monde va y aimer, que c'est pas que 5 personnes qui vont aimer sur 20, au moins que nous. Super. Et est-ce que vous pouvez nous parler du premier projet qui avait été fait sur le terrain en face de la maison pour tous? On a fait des grandes maquettes l'année dernière. Oui. Vous vous souvenez? Ok. Alors est-ce que vous pouvez nous parler du projet du site sportif? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet? C'est un nouvel endroit pour que les jeunes ou les adultes puissent faire du sport, jouer, se divertir avec leurs copains, par exemple, ou tout seul. Et comment ça marche le kit? Il se déplace et on le déploie ou... On le déplie. Ouais. Voilà, on le déplie en fait l'équipe. En fonction de ce qu'on a envie de faire. Oui, voilà, exactement. Ok. Si vous deviez... vous avez le kit qui vous appartient pendant une journée, je sais pas, et vous pouvez le déplier pour faire un sport, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez toutes les deux par exemple? La boxe. Ah, moi je sais pas. Et toi? Du basket. Okay. Et où est-ce que tu le déplierais? À quel endroit dans la Courneuve, puisqu'il se déplace? Ou est-ce que à quel endroit tu voudrais l'ouvrir et dire ok, ici on fait de la boxe? On a dit que le kit il se déplaçait. Et si tu as le choix de dire moi je veux le déplier à tel endroit, ça serait quoi cet endroit? Est-ce que ça serait en face de chez toi, vers ton école ou ton collège,
Où est-ce que tu... À l'école. À l'école? Oui, j'irais plutôt devant chez moi. Ouais, il y a la place? Ah non. Ou dans un parc? Oui, par exemple, dans un parc. Ok. Bah c'est bon, hein. Okay. On va pas vous embêter plus, super. Non, là, c'est le test.